Voici nos deux candidats. Apprendre aux enfants à être disciplinés en se soumettant les uns aux autres est l'objectif visé par l'instauration des délégués à Vacances en Christ. Et comme ça, nous sommes disciplinés ici dans ce camp. Et comme ça, les hommes, nos petits frères, nous sommes ici. Pour bien être délégué, pour qu'il soit bien entendu. Pour que quand nous puissions aller manger, que nous soyons en ordre. Ok, genre pour chaque activité, que nous soyons en ordre. Pour être des choses. Après le discours des candidats et les questions pertinentes posées par les votants, c'est l'heure décisive du choix. Des quatre candidats, qui sera le délégué que choisiront les enfants de la tranche d'âge comprise entre 13 et 14 ans? David Bidjé sera-t-il reconduit chez les ados de 15 ans et plus? Il y a encore. Fini le suspense, Hiram Louricos et David Bidjé auront la lourde responsabilité de représenter leurs condisciples auprès des moniteurs. Et que nous soyons très disciplinés. Nous comptons sur la tâche d'études et nous allons collaborer avec nos amis que nous allions plus loin. Je voudrais féliciter mes chers frères qui ont voté pour moi. Je promets de mettre la discipline, le droit et l'amour. Leur mandat qui s'étendra sur 14 jours est révocable dans certains cas. Ce matin, effectivement, nous avons eu une élection où nous avons eu un délégué vraiment qui a pulvérisé le record avec 9 voix. On était vraiment très contents et vous voyez un peu la qualité de la voix. C'est dû au fait que nous sommes réjouis. Mais ce que le délégué doit savoir, s'il n'est pas un modèle, je pense bien qu'il ne pourra pas poursuivre son mandat. C'est-à-dire, quand je parle de mandat, nous avons 2 semaines à faire ici à Benoît. Donc, s'il n'est pas un modèle, il sera destitué. C'est-à-dire que je vais prendre un autre délégué. Par exemple, le sous-délégué peut être le délégué et lui sera destitué. Pour aider les élus à assurer leur rôle, les ministres les ont recommandés à Dieu.